Nouvelle réception jeux vidéo et c'est parti. On commence avec une première trouvaille de jeu d'occasion qui m'a coûté un peu moins de 3€. Il s'agit de Medieval Games. C'est un petit party game sur la Wii. On aime bien de temps en temps se faire des petites soirées party game, soit à deux, soit avec des copains. Donc on s'est dit, bon, on sait pas ce que ça vaut, mais ça se tente. C'est donc des petits mini-jeux dans un univers médiéval, ça peut être chouette. On est ensuite passé à Gamecash à Oulin et on m'avait très gentiment conservé de côté ce Bomberman 64 en état franchement excellent qui m'a coûté 89€. Je le trouve absolument magnifique. Il vient compléter mon full set Bomberman et je suis contente parce que lui, il a plus un air de RPG avec vraiment un fil conducteur, des niveaux et une histoire et pas juste un simple jeu Bomberman. Donc franchement, j'avoue que je suis assez curieuse de le faire. Et mon chéri a pris Tetris 99 en édition physique. On savait pas qu'il existait en édition physique et nous on n'est pas très fan du démat. Donc ça tombe super bien. En plus quand on achète le jeu en boîte avec on a un an de online compris. Donc le jeu revient à vraiment pas si cher que ça. Donc c'est super super cool. J'espère qu'ils feront la même chose pour F-Zero parce que c'est toujours plaisant d'avoir une petite édition physique. Donc voilà pour ces quelques trouvailles sur différents supports. Dites-moi si vous connaissiez ces jeux, si vous les avez essayés ou si vous avez envie de les essayer. Je suis toujours curieuse d'échanger avec vous et je vous souhaite une bonne soirée tout le monde.